Salut à tous les pêcheurs, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les tutos commencent par rapport à la mise à jour. Donc j'ai décidé tout simplement de commencer mes tutos en Louisiane sur la nouvelle map. Franchement, une map où va y avoir beaucoup de tutos. Tout simplement parce que... je vous montre un petit peu. Voilà, il y a Garpic... la Chigane à grande bouche, donc ordinaire trophée unique. C'est d'ailleurs une map à unique. Celle-là, c'est what the fuck niveau unique. Vous allez voir ça. Donc Bartach T, ordinaire trophée unique. Le poisson chat castor, ordinaire tacheté et unique. Le brochet maillé, ordinaire trophée unique. Les crapets oreilles rouges uniques. Les crapets harlequin unique. Ça je crois que c'est Malachigan, si je dis pas de conneries, unique, les Marigans blanches uniques, les Marigans noires uniques, bon mais les jaunes on s'en fout un peu, poisson chat à tête plate unique, il y a du poisson chat bleu, bon pas unique par contre, le poisson chat tacheté unique, le buffalo unique, et c'est tout, c'est déjà pas mal, ça fait 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 poissons uniques. Voilà. Bon, je les ai pas tous trouvés, hein, je vous rassure. j'ai encore pas mal de boulot. Mais j'ai été super étonné sur un poisson. Alors j'ai chassé le poisson chat en fait. Je me suis dit, bon bah c'est une nouvelle map, c'est quand même une map de niveau 26. Je me suis dit, ça doit être du lourd quand même, le petit poisson chat là. Et ben en fait, non. Pas tant que ça. Donc, pour cette map, pour ce poisson, on va s'intéresser au poisson chat à tête plate. Peut-être le poisson chat à tête plate unique, je ne sais pas. En tout cas, technique très simple. Hop, pardon. Alors, ça va être écrevisse. Hop. Je change un peu mon matos, ouais, parce que j'étais sur le Garpic Alligator. Donc, pour le bouchon, vous allez mettre en hameçon, pêche au bouchon, oui, parce qu'il y a une pêche autre aussi. Hop, 6-0, vous mettez 150 de fond. Alors, ça marche à l'écrevisse, moi ça m'embête un peu, parce que l'écrevisse, ça coûte cher. J'ai testé aux grosses tranches, ça marche pas trop mal, ça va. Ça marche aux gros vifs, ça marche aux grenouilles, ça marche aux moyennes tranches. J'en ai vraiment pris un quasiment avec chaque grenouille. J'ai pas testé, parce que j'en ai pas, mais de source sûre, ça marche. Voilà, donc ça c'est pour le bouchon. Voilà l'équipement. Et là, au lieu de dépenser de la thune à acheter de l'appât, tout ça, et ben. OPN mes petits amis, OPN, un poisson chat OPN, sans déconner, c'est, je sais même pas si c'était possible avant, bref, donc là pour le PN, ça va être le 2m50 6-0, le jaune, 2m50 6-0. J'ai essayé au PN 1m30, je les ai tous essayés en fait. Faut qu'il y ait au moins 2 mètres de fond. Alors le 2m50 5-0 marche, le 3m50 à l'écrevisse marche, 3m50 4-0 marche. L'écrevisse après, non l'idéal, ceux qui ont marché le mieux c'était le bleu 3m50. En 6-0 et celui-là, le jaune en 2m50 6-0. Voilà, donc pour le spot, on va se rendre aux étendues marécageuses. Voilà, on est dessus, c'est parti en avant. J'étais déjà dessus de toute façon. Et là, c'est tout simple. Vous voyez, je suis déjà en place, mais bon, vous arrivez à peu près par là, quoi. Et ça va être tout simplement ici. Voilà. Vous lancez là tranquillement dans cette zone là, donc pareil pour le bouchon qui va se situer dans ces eaux là hein, de toute façon. Donc je vous montre OPN, c'est ma valeur la plus sûre pour vous montrer que on peut prendre ce poisson chat
C'est assez étonnant d'ailleurs de prendre un PN avec de prendre un poisson chat avec le PN. Bon, je suis accroché, ça c'est pas grave. Voilà, je suis décroché et vous ramenez en vitesse 1, tout doucement, gentiment, tranquille ou pépère. Et vous allez voir, normalement, c'est un sans faute. Ça tape à chaque coup, quasiment à chaque coup, chaque lancer vous en ramenez un. Alors moi, je suis un peu déçu par rapport aux uniques. Parce qu'ils ont changé la monnaie là, des gold, c'est plus des gold, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, maintenant quand on chope un unique, bah on gagne des dollars. Voilà, on gagne beaucoup de dollars, mais on gagne des dollars. On gagne pas la monnaie spéciale. Maintenant la monnaie spéciale, bah pour l'avoir, bah soit vous payez ou soit vous prenez un niveau ou vous faites les succès. Sauf que bah le truc c'est que il va me faire mentir cet enfoiré. Pardon. Le truc c'est que bah voilà les succès. Alors monter en niveau, bah vous montez en niveau, vous en gagnez un. Les succès, ils vous en font gagner deux ou trois, je crois, au maximum. Voilà, donc ceux qui étaient déjà au niveau maximum dans l'ancienne version, bah, ils prendront plus de niveau, donc ils en gagneront pas plus, concrètement. Voilà, bon bah c'est un peu décevant à ce niveau-là. Après, graphiquement, ils ont poussé vachement le truc sur la flotte, les poissons, tout ça. Parce que maintenant, on voit carrément les poissons des fois qui sautent hors de l'eau, au-dessus de nos bouchons, tout ça. Donc ça, c'est assez stylé, c'est pas mal. Par contre, niveau des arbres, les textures autour de nous et tout, c'est pas trop ça quand même. Hein. C'est un peu dégueulasse. Ils se sont pas trop foulés à ce niveau-là. Bref, si petite chose que j'ai oublié, bien sûr, les horaires pour ce fameux poisson-chat à tête plate. Moi, j'ai commencé à 18h. J'ai réussi à en prendre à partir de 18h. Donc, à mon avis, ouais, la meilleure période, c'est 18-21. Et je pense que dans cette tranche horaire, on va pouvoir choper. Il me fait mentir. Hein. C'est un truc de fou. On va pouvoir choper de l'unique. Donc par contre, c'est partant de soleil pour l'unique. Là, moi, je suis en temps mitigé. Partant de mitigé, pareil, même tranche horaire. Le matin aussi, ça marche bien. Mais partant de soleil, c'est quand même le mieux. Après, le graphique par le temps de soleil, bah, la courbe elle est constamment en train de monter. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, hop. On rentrera pas les mains vides. La courbe en fait est constamment en train de monter et le pic de pêche de la journée ensoleillée, c'est la fin de journée. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai remarqué aussi, pour ma part, j'ai un gros vivier. J'avais le gros vivier, 300 kg et poisson maximum de 40 kg. Vous voyez comment ils sautent les poissons? C'est mignon. Hein. Sauf que, allez viens mon gros. Voilà. Sauf que, bah, ils l'ont changé. Maintenant, le poids maximum du poisson, c'est... Wouh! New personnel record. Poisson chat à tête plate. Trophée 863 $, donc c'est pas dégueulasse. C'est le Fish Castle XXL qui était à 300 kg, ils l'ont passé à 200. Par contre, le poisson maximum est à 50 au lieu de 40, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ouais, je vous montre. Bah non, je suis en soleil. Pourquoi il met bah non, je suis encore en soleil et il met mitigé là-haut, d'accord. Ok, bon, voilà, bah la courbe du soleil. Vous voyez, là ça commence à taper vers 17h. Là c'est la période idéale. Ouais, 18-19h, ça commence à être pas mal. À pas être dégueulasse. Donc là on commence à prendre du trophée. Je vais faire durer un peu la vidéo, je pense, pour essayer de choper un unique. Merde, si je lance pas, ça va pas le faire. Pareil, petite nouveauté. C'est que maintenant, bah, quand on pêche, bah, voilà, on peut se déplacer tout en pêchant. On peut même lancer tout en se déplaçant. Alors, à quoi ça sert? Bah écoutez, j'en sais foutrement rien.
Pareil, si vous êtes avec d'autres gens, moi j'étais avec quelqu'un, bon bah il est parti, hein, il fait ce qu'il veut après tout. Mais quand vous êtes avec d'autres gens, bah vous voyez le joueur, vous voyez sa tronche, vous voyez, bah je vous mens pas quand même, hein, ça tape quasiment à chaque fois. Vous voyez les joueurs, vous voyez où ils lançaient, vous voyez avec quoi ils pêchent. Oula, il est un peu enragé celui-là. Allez, viens mon pépère. Et au pire, hein. Tu veux jouer? Voir, regarde. Je vais te tirer sur la berge, moi. Non, mais là, je pense pas qu'on puisse. Je sais pas si on peut le sortir de l'eau comme ça. On peut? On peut le sortir de l'eau comme ça? Ah, bah oui. Regardez donc. Il est plus dans l'eau. Fais-moi le malin, là. Non, mais. Encore un petit trophée, donc un peu moins gros, donc voilà. Par contre, faites bien attention quand même. Les licences, je vais pouvoir vous montrer ça. Hop, boutique, les licences. Donc on est en Louisiane. Voilà, 8000 balles là étendue, hein, pour un jour. Donc un jour pas dans le jeu, hein. Enfin, un jour dans le jeu, un jour dans la vraie vie, donc 24 heures si vous préférez. Illimité, c'est 500. Moi, je suis à 232, donc de toute façon, je ne pourrais pas prendre l'illimité. Pour un mois, c'est quand même 192 000, les amis. C'est un petit peu abusé. Donc voilà. Je vous montre, ouais, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la chicane à grande bouche. J'ai pris un garpic alligator. J'ai pris un bar blanc. J'essaye un peu de tout. Bon, là, j'étais après sur. Sur le poisson-chat à tête plate, hein. Le petit 20 kilos qui fait bien plaisir là, c'est pas mal. Alors c'est le deuxième trophée, donc comme on dit toujours, jamais 203, sauf qu'en général, dans ce jeu, le troisième, et ben c'est l'unique. Donc bah écoutez, je suis encore de crochet, ça fait chier. Écoutez, bah l'unique, on croise les doigts. On va dire que c'est pour maintenant. Allez, un petit unique, un petit unique. Ouais, c'est juste pour vous montrer en fait. L'unique, si j'arrive à en prendre un, bien sûr, parce que je sais pas du tout si c'est là qu'on prend l'unique, mais si j'arrive à en prendre un, pour vous montrer que bah, on gagne pas de pièces d'or, quoi, qu'on gagne des dollars en fait, c'est ça le truc con. Voilà, donc ils ont changé pas mal de trucs, donc bon, bah, on verra bien ce que ça donne à l'avenir, hein. Moi personnellement, je suis un peu tristouné quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des cannes à leurre sur lesquelles je pouvais mettre des tambours, des moulinets à tambour fixe, mais je ne peux plus. Je suis obligé de mettre des tambours à l'horizontale, des moulinets à l'horizontale. Ça, je trouve ça un peu chiant parce que j'aime pas du tout ça, ces moulinets. Mais bon, bah tant pis. Surtout que bon, bah la plupart des La plupart de mes cannes à l'heure, je les équipais avec un tambour fixe pour pouvoir lancer plus loin. Bon, celle que j'ai, c'est une exception. En même temps, c'est une canne de DLC. Là où je suis tristouné, bah, dans la vidéo où je présente un peu la mise à jour rapido, je vous parlais que je n'ai plus accès à l'Alaska, le paradis du saumon. J'ai quand même regardé un petit peu les poissons, s'il y en avait des nouveaux. Ils ont enlevé le saumon royal. Vous le croyez, vous, ça? Ils ont enlevé le saumon royal. Donc pourquoi, je sais pas. Je pense que bah, les joueurs en ont trop abusé du saumon royal. Surtout de l'unique et du trophée, en fait. Et du coup, bah, il n'y en a plus. Voilà. On a tout pêché. On a fait les gorées, on a tout pêché, donc tant pis pour nous, il n'y en a plus. Bref, par contre, j'ai accès à Alberta, la map qui est toute enneigée là. Après, je n'ai plus accès non plus à la map du barrage, là où j'ai fait mon dernier tuto sur la carpe. Donc ça m'embête un peu aussi. Ils ont changé un peu les niveaux. Après, bon, je suis embêté, mais je suis pas trop embêté non plus, étant donné que cette map là, la petite Louisiane là, elle est pas dégueulasse. Sachant qu'il y a beaucoup d'uniques, ça fait bien plaisir. Je reprends du plaisir à chercher pour vous, à faire plein de tests. Bah, par exemple, ce matin, j'étais avec JPP06, donc
Salut à toi l'ami, j'étais avec lui et on a fait plein d'essais ensemble, on a découvert la map en quelque sorte. Lui il a trouvé le spot à Garpic, j'ai testé, ça marche pas mal du tout. Bon j'étais pas au même temps que lui, lui était en nuageux, ça marche mieux en nuageux apparemment. Mais bon ça je vous ferai un tuto dessus de toute manière. Donc voilà, bon bah écoutez, là, ah bah voilà. L'unique voulait pas se montrer. Est-ce que c'est un unique? Oh bah, va être vite ramené celui-là. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui m'a fait le machin là? Le saut de l'ange quoi. Poisson chat à tête plate. Eh bah c'est pas un unique les amis. Bon écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici. Ça, je vais pas insister. Hein, l'unique ne vient pas. Après, ce n'est peut-être pas là non plus qu'on prend un unique. Moi. J'ai entendu parler que ça se prenait là, donc je vais continuer, je vais insister. Et sur ce, les amis, ben, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.